concept de marché exploratoire a émergé au Canada dans les années 80. Donc ça fait, voilà, peu importe les pays, les quartiers, les époques, c'est un constat qui je pense, transcende tout ça. En tout cas, nous, sur la ville de Trappes, c'est en tout cas une réflexion qu'on a voulu mener. Les marches exploratoires, il y a des choses concrètes en termes de réparation, d'aménagement urbain qui peuvent être faites par la ville, par les bailleurs, par la communauté d'agglomération, mais c'est aussi entreprendre une réflexion sur comment on vit son environnement. Parce qu'en fin de compte, ce projet de marche exploratoire, c'est vraiment la rencontre entre un projet qui a émergé du service du DSU, en lien avec l'outil GUP qui était déjà vraiment implanté et mis en place sur la ville de Trappes, et la volonté de monter des marches exploratoires, donc le questionnement des femmes dans l'espace public. Parce que du coup, à travers les différents constats, les différents retours qu'on pouvait avoir, on a constaté qu'il y avait une répartition genrée de l'espace public, des endroits où les femmes allaient peu ou allaient moins, des endroits avec des usages différents, des usages de nuit, des usages de jour. En tout cas, que tout le monde ne se sentait pas forcément à l'aise au même endroit dans toute la ville. On a des constats, par exemple, une haie trop haute, en termes de sentiment d'insécurité, ça va se traduire sur le fait de ne pas voir et de ne pas être vu. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, sentiment d'insécurité, on part toujours de ce constat qu'il peut se passer quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, on est seul face aux soucis. Donc on essaie de faire la marche avec cette idée-là, de se dire que dans tous les espaces de la ville, on doit se sentir bien. Le but, c'est quand même de faire le fil conducteur entre tous ces organismes et qu'il y ait une rapidité et du bon sens, c'est ce que j'appelle du bon sens. La gestion urbaine de proximité est un outil mis en place par l'État dans les quartiers qui font l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Il permet de préparer, accompagner et pérenniser les projets urbains entre les différents acteurs. Dans le cadre des marches exploratoires sur la ville de Trappes, on a voulu, avec les apprenants des ateliers de français, mettre l'accent sur l'accès à la ville pour tous. L'idée est d'observer son quartier, de regarder avec précision les atouts, les faiblesses de votre quartier, le quartier dans lequel vous vivez, et de faire en sorte que vous soyez acteur du lieu dans lequel vous vivez, et que vous ne soyez pas passif. Il y a quelque chose qui ne va pas, on va réagir par rapport au problème. Nous avons eu le constat de l'éclairage, notamment dans le quartier Verlaine, où pendant plusieurs jours, il y avait eu une absence d'éclairage. Et les participants, effectivement, nous ont remonté cette information. Et on a fait le nécessaire auprès du bailleur pour que l'éclairage revienne dans le quartier. Ce qui est très important, parce qu'en plein hiver, il est important d'avoir de la lumière pour se sentir en sécurité et pour pouvoir sortir de chez soi après 17h, il fait nuit en plein hiver, pour pouvoir rentrer tranquillement et en toute sérénité. Donc ça fait partie des problématiques relevées. Donc on a aussi l'exemple du laboratoire régional de l'Ouest parisien dans le quartier de Jean Massé, où les clôtures étaient complètement affaissées avec des fils apparents et dangereux pour l'accessibilité. De ce fait, et du fait qu'il y a la route à côté et des travaux en face avec la construction de la nouvelle résidence à Doma. Voilà, ce sont des exemples de ce type-là qui ont été relevés pour pouvoir mieux accéder à la ville. Les ateliers sociolinguistiques visent le gain en autonomie sociale à travers l'apprentissage du français auprès des publics migrants. Il s'appuie sur l'observation des espaces sociaux répartis selon quatre champs: vie publique, vie culturelle, vie citoyenne et dans la société, et vie personnelle. Donc pour les ASL, moi en tant que formatrice, j'ai permis à la collaboration avec le service GUP de présenter ce service et également de préparer les séances au niveau pédagogique, préparer la marche en tant que telle. Et ensuite, nous allons préparer une présentation de cette marche entre deux groupes d'ASL.
Sur les groupes ASL, on peut donner la parole à des personnes qui ont peu souvent l'occasion de s'exprimer, notamment sur leur ville ou sur leur quartier ou sur leur bien-être, du fait des difficultés linguistiques ou même parce qu'elles ne connaissent pas les services ou les personnes à qui s'adresser pour parler de telle ou telle problématique. Donc là, on touche des personnes qui ont des choses à dire, qui parfois donc habitent dans le quartier que l'on a pu visiter au cours de la marche, et donc nous parlent de choses très concrètes. Et justement, comme ils vont présenter ces constatations à un autre groupe, permettre des échanges aussi entre habitants et leur donner un rôle important dans leur ville, dans la vie de leur quartier, et qu'ils se sentent plus acteurs de leur quotidien. Nous, des communes Lagnon, n'empêche que nous sommes les interlocuteurs, et c'est à nous, ville, de dire à tous ces gestionnaires que bah, ça fait X temps qu'il y a un trou dans la chaussée, c'est pas normal. Donc la GUP est là aussi pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin des habitants, parce que c'est vous qui vivez dans le quartier. Même si nous on y vient, même s'il y a des contre-visites, même s'il y a un agent de chez nous qui veille, le regard le plus pertinent, c'est quand même les habitants qui habitent au même endroit. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. D'abord, ville, ouais. Agglo, département, ouais. Région, État. Oui, parce que nous, on le sait, le département et la région et tout ça, mais sur Trappes, on ne sait pas qui gère tout. Ah non. Voilà. Maintenant, d'où l'intérêt, quand on va faire la marche exploratoire, je serai présent avec vous de nous interpeller. On est là aussi pour ça. Pour vous donner la parole. On aimerait bien visiter tout Trappes, comme ça on va remarquer plus de choses. si on a le temps. Passage régulièrement, ça peut être la nuit, ça peut être dans la journée. Si vous avez constaté un problème, il faudra nous le dire pour qu'on puisse le noter et prendre la photo. Par là, c'est pour le passager, la nuit, ça fait tomber. Enfin, un peu de travaux par ici. Et sinon, tout va bien. On est heureux, on est bien. Il manque juste un peu de soleil. C'est-à-dire, comme je ne marche pas beaucoup à pied, c'est-à-dire les petits détails, je ne remarque pas. J'ai remarqué quand on a fait la marche exploratoire, j'ai remarqué plus de détails. Mais comme j'étais tout le temps en voiture, sauf quand il y a, par exemple, des gens qui stationnent sur la route, c'est-à-dire, c'est pas normal. On a des problèmes, on n'a pas de la lumière dans la résidence. Vous n'avez pas de lumière. Lumière, votre lampadaire va être changé, vous savez, non, là-bas. Non, c'est pas nous qui vont le changer. C'est le bailleur. Oui, c'est parce qu'il y a un poteau qui l'a cassé, il y a deux lucarnes. Voilà, dedans. Mais ça va être changé là d'ici la fin de mois. Ah bon? Oui, j'ai vu le bailleur, c'est ce que j'ai eu comme information. Ouais, parce que moi, j'ai des enfants qui vont au taekwondo, ils rentrent à 22h. Et ça fait peur la nuit. Ah bah, c'est normal. Fatma m'a expliqué la marche exploratoire. On fait la marche de la ville. Comme on voit quelque chose, ça ne va pas, on marque les problèmes. Le but pour les habitants, pour améliorer la ville, et y aller partout. Donc ça, c'est dangereux, voilà. Donc on va même essayer de le remettre. Oui, c'est très important. C'est très important pour le quartier. Parce que c'est dangereux pour la route. Pour les voitures, pour oui, les pour pions, les voitures, et pour abîmer le... Pour payer aussi, parce que c'est un passage piéton. Les piétons, ça peut être dangereux. Hein. Ouais. Un enfant qui traverse, c'est dangereux pour les gens et pour les voitures aussi. Par exemple, là où on est en hiver et que le soleil se couche à 17h30, s'il fait nuit, voilà, du coup, après 17h30, vous sortez plus? Non. Depuis 18h, je sors plus. D'accord. Maintenant, oui. Surtout, je vous dis, on n'a pas de lumière dans le quartier, là.
De quoi? Je mets, il n'y a pas de mer. Du coup, c'est encore plus. C'est encore plus. Plus. Voilà. On a besoin d'un gardien. Et... Après, parce que si on a quelque chose à signaler, si on a quelque chose dans les maisons, à l'extérieur ou à l'intérieur, on a besoin de quelqu'un dans le bureau de gardien. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui vient deux, trois fois par semaine, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de rire à quelle heure qu'il vient ou à quelle heure qu'il part. On ne sait pas. Le grillage de la tour de Lazare, il est cassé. C'est dangereux pour quelqu'un âgé ou pour les enfants. Ou... Même nous, comme on ne voit pas, on marche direct comme ça, on tombe. Oui. Je vais aller voir des amis. Je vois deux groupes de jeunes qui... J'ai une inquiétude avant, mais une fois que je suis dans ce quartier-là, il ne m'a jamais rien arrivé. Et après, bah, je continue à y aller. Il n'y a pas un autre mot. Ça manque de respect pour la police. Ça manque de respect, ça manque de l'éducation. Donc on va mettre des numéros à chaque constat. Et puis comme ça va vous donner l'occasion d'expliquer pourquoi ce qu'on a vu est dangereux, pourquoi il faut le remettre en état, pourquoi ce n'est pas bien. Mais elles sautent, je ne sais pas les pauvres, des fois moi j'y tiens obligée, pour les jeunes il faut respecter, mais des fois la porte sur nous, quelqu'un il va partir vite, fille. Ça ferme, boum, fort, boum, même chez nous. Ça provoque, ça, le police, s'il voit ça, après ça le met l'attention avec les jeunes des quartiers, c'est... Exactement. C'est pas bien. La marche, ça fait, c'est bien. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qui ne va pas dans la ville, quoi. Et la mairie, il ne peut pas être partout. Bon, nous, les habitants, que ça, quand on voit, on va dire à la mairie, voilà, il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, ça risque d'avoir des accidents pour tout le monde. Pour les gens qui sont âgés, surtout, bon, ben, ils sont un peu fragiles. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui était cassé? Ou qu'est-ce qui était à changer ou à réparer ou à améliorer? D'accord? Donc, je vais vous montrer où est ce document. On va tous travailler sur ce document. La cyberbase, c'est vraiment ce qu'on appelle un espace public numérique avec ses formations d'accès au numérique. Donc, accéder aux bases informatiques. La moindre démarche administrative que vous allez faire demain, vous allez être obligé de le faire sur Internet. Donc ils tentent des choses par eux-mêmes, ça c'est sûr, après, puisqu'on leur apporte les outils. Et ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça. Par exemple, les ASL, nous on profite du fait qu'ils viennent, qu'ils apprennent le français pour aussi leur dire, même en apprenant le français, on peut apprendre l'informatique. Et finalement, on pensait que bon, bah, des personnes qui ne savent pas parler bien le français, c'était difficile de les mettre sur un ordinateur. Or, c'est faux. Les mettre sur des logiciels spécifiques dans le sujet, ça marche très bien. Et aussi, en termes de... Du coup, quand un mobilier urbain comme ça est abîmé, il y a aussi le problème qu'on ne peut pas l'utiliser. Oui. Surtout pour les enfants, même... Ils risquent de toucher aussi, blessés aussi. Et l'image. Et l'image de quartier. Tout le long, elle était abîmée. Tout était abîmé. Mais ça, on va signaler, parce que c'est à la météorologie. C'est 2 heures, 3 heures, d'accord, mais quand même plus de 10, 15 jours, on n'a pas de lumière. Mais. Des peu qu'on passe, quelques heures après, on a de la lumière. C'est bien. Voilà. Et maintenant, on a un gardien, on a les horaires de gardien, ils sont fixés, même pas une semaine après. Ah bah oui. Voilà. C'est bien ça. Et en fait, là, il y a un moment où on ouvre le regard et ça permet aussi, du coup, de prendre conscience et de s'impliquer. Et là, entre les marches, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, mais du coup, elles ont regardé si les constats
qu'elles ont pu voir le jour de la marche. Est-ce que ça a été réparé ou pas? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? C'est vrai que ça, c'est quand même... C'est important. Au lancement des marches exploratoires en 2016, la ville a souhaité associer les ateliers sociolinguistiques, les ASL, à cette démarche, de façon à constituer avec un groupe de femmes et d'hommes des questionnements et constituer une analyse complémentaire à ce que nous connaissions de l'ensemble de la ville. Ce que nous recherchons plus particulièrement dans les marches exploratoires, ce sont deux choses. Premièrement, la place des femmes dans la ville. Et ça, c'est important. Dès les années 90, d'ailleurs, les marches exploratoires sont mises en place au Canada à ce titre. Deuxième chose, le sentiment d'insécurité. La question de la réappropriation de l'espace public est aussi une question primordiale. On a sur l'ensemble de la ville quelques endroits où les espaces ne sont pas forcément habités, vécus. On a des endroits qui sont un peu délaissés, des trottoirs mal fleuris, des endroits où les espaces pourraient être réappropriés. Et c'est tout ceci qui a permis, je dirais c'est le deuxième point le plus important, dans cette démarche de démocratie participative, qui a permis à la ville de complémentariser son diagnostic et d'apporter des éléments assez pragmatiques et quotidiens. Et c'est aussi l'objectif que nous allons essayer de tenir sur les années à venir, c'est de redonner en fait de la qualité de vie. Et c'est l'objectif numéro un. C'est vrai qu'on est attrape, mais ce qui se passe, on n'est pas au courant. Parce que quand on a la famille, on quitte à l'école, on rentre à la maison, on quitte à la maison, on va à l'école. On ne peut pas faire tous les quartiers. Mais ils nous ont donné la chance de voir le quartier nous-mêmes où on habite. Ce qui se passe, c'est aussi de nous dire, ce sont nos problèmes à nous aussi. Parce que quand on est dans un quartier, ce n'est pas propre. Quand les gens viennent nous voir, on ne voit pas où ce n'est pas propre. Mais on voit tout le quartier.